Le groupement d'intérêt agro-sylvo-cynégétique, appelé GIASC, des vallées de l'Autise et de l'Aigret, regroupe les territoires volontaires de 10 communes de Sèvrienne. Cette association, loi 1901, est régie par un conseil d'administration et a pour objectif de fédérer les bonnes volontés, de mutualiser les moyens humains et matériels, d'harmoniser les efforts de gestion et d'être force de proposition auprès de la Fédération des chasseurs des Deux-Sèvres, dans un but précis, celui de développer une population de faisans sauvages. Afin de réussir l'implantation d'une souche de faisans commun, il est nécessaire de mettre en place un certain nombre d'ingrédients favorables au développement d'une population permettant la chasse à court terme. Dans un premier temps, il est nécessaire d'harmoniser les efforts en matière de régulation des espèces prédatrices du faisan, que ce soit le renard, la fouine ou les corvidés. Pour ce faire, tous les moyens de régulation sont efficaces. Le piégeage permet une régulation toute l'année et est surtout efficace en période hivernale afin de prélever les reproducteurs. Tous les moyens de régulation doivent être cumulés afin d'avoir une action efficace sur l'ensemble des espèces prédatrices. Lors de la dernière saison cynégétique, ce sont plus de 300 renards, 100 fouines et 200 corvidés qui ont été capturés par le travail conséquent, notamment d'une vingtaine de piégeurs bénévoles. Le travail de régulation des prédateurs doit perdurer dans le temps et continuer d'être aussi efficace. Croire que seule la régulation des prédateurs suffirait à développer la population est utopique. Il est nécessaire d'aménager le territoire en faveur de la petite faune. L'aménagement le plus simple et le plus facile à mettre en place, mais qui nécessite un suivi constant tout au long de l'année, et plus particulièrement en hiver, est l'agrainage. Le GIASC tend aujourd'hui vers un agrainoir tous les 15 hectares, que quelques bénévoles maintiennent en état régulièrement. En plus de ce réseau d'agrainoirs, l'implantation de couverts faunistiques est primordiale, car il offre une ressource alimentaire en hiver, un couvert durant une grosse partie de l'année et une zone de nidification au printemps. Ces couverts sont implantés soit dans le cadre de cultures à gibier avec une mise à disposition de particuliers auprès des territoires de chasse, soit dans le cadre des jachères faune sauvage avec les agriculteurs. Ces contrats sont également accompagnés par d'autres mesures comme le maintien des chaumes de céréales ou encore l'implantation de couverts intermédiaires à l'automne. En 2018, ce sont plus de 100 parcelles qui ont été contractualisées. En plus de ces aménagements agricoles, des plantations de haies ont été réalisées avec plus de 500 mètres linéaires afin d'augmenter les effets de corridors écologiques. Ces projets ont permis également de réaliser des actions pédagogiques auprès des scolaires et du grand public durant l'hiver. Enfin, ce volet aménagement ne serait pas complet sans la mise en place, ou plutôt l'entretien des micro-volières, volières anglaises et parcs de prélâchés qui permettront la réintroduction de 2000 faisans d'eau de souche sauvage en provenance de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en 2018 et en 2019. Le troisième trépied nécessaire à la réussite d'un projet de réintroduction de faisans communs passe par la gestion de l'espèce.
Lorsque le territoire est bien aménagé et que ses populations de prédateurs sont régulées efficacement et régulièrement, il est important de bien gérer la population en prenant en compte son état. Pour cela, deux comptages sont nécessaires. Le premier doit avoir lieu au printemps et permet de connaître le nombre de coqs chanteurs. 150 compteurs ont sillonné en avril les différents territoires afin d'écouter les coqs s'exprimer. La densité était évaluée au printemps 2018 à 3 coqs aux 100 hectares. Le deuxième élément qui permet de connaître l'état de la population est l'échantillonnage de compagnie. Après les moissons, il est nécessaire de pouvoir observer les poules, accompagnées ou pas, de jeunes afin de connaître l'indice de reproduction, c'est-à-dire le nombre de jeunes par poule. Ces deux états de la population, que sont les comptages de coqs chanteurs et l'échantillonnage de compagnie, seront déterminants dans les futures attributions du plan de chasse faisan lorsque nous parlerons de réouverture. En 2017, 80 compagnies et près de 400 jeunes avaient été observés. Pour accompagner le GIASC et promouvoir ce projet de territoire en faveur du faisan commun, la Fédération des chasseurs a souhaité mettre en place un programme Agrifaune en partenariat avec la Chambre d'agriculture et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ce programme concerne trois volets répartis en plusieurs actions. Le premier volet concerne l'aménagement du territoire avec la mise en place de couverts faunistiques en faveur de la biodiversité et plus particulièrement du faisan et de la caille des blés. L'objectif est d'augmenter ces surfaces en couverts faunistiques sur l'ensemble de la zone en implantant des couverts favorables à la biodiversité comme les mélanges mellifères, le chou avoine sarrasin, le maïs sorgho entre autres, ou en préconisant la mise en place de bandes enherbées, en plantant des haies, en conservant des chaumes de céréales ou en implantant des couverts environnementaux à l'automne. Pour développer ces actions, la Fédération des chasseurs et la Chambre d'agriculture ont souhaité s'appuyer sur 10 exploitations volontaires qui se sont engagées pour la réalisation d'un diagnostic de l'existant en vue de se voir proposer la mise en place d'aménagements et une conduite d'exploitation en faveur de la biodiversité. Dans un premier temps, un inventaire de terrain, des infrastructures agroécologiques comme les haies, les bandes enherbées, les jachères, points d'eau ont été cartographiés. Cet inventaire est complété par la Chambre d'agriculture par une évaluation auprès de chaque exploitant de leur structure et de leur méthode culturelle. Une fois ce diagnostic réalisé, la Fédération des chasseurs et la Chambre d'agriculture
propose la mise en place de nouveaux aménagements et d'éventuelles modifications de pratiques culturales permettant de concilier agriculture, faisant commun et caille des blés. Toutes ces propositions seront également favorables à la biodiversité ordinaire. L'une des modifications de pratiques culturales proposées concerne notamment l'utilisation de barres d'effarouchement appelées communément barres d'envol. Cet outil doit permettre de limiter l'impact des fauches ou des coupes d'ensilage sur la faune sauvage, et plus particulièrement sur les poules, faisanes et leurs nids. En octobre 2017, la Fédération des chasseurs a mis à disposition des détenteurs de droits de chasse des vallées de l'Authise et de l'Aigret deux barres d'effarouchement. Son objectif est de pouvoir disposer de 7 barres avant 2020. Comme tout nouvel outil, qui peut parfois paraître contraignant, des journées d'information et de démonstration aux chasseurs et aux agriculteurs ont été réalisées en novembre pour la destruction des couverts environnementaux et en avril pour les coupes d'herbe. Une soixantaine de participants se sont déplacés sur ces deux journées. Une dizaine d'exploitations ont d'ailleurs utilisé les barres lors des dernières coupes de foin, permettant de sauver quelques lièvres et trois compagnies de jeunes faisans d'eau. Malheureusement, ces barres n'empêchent pas la destruction de quelques nids de perdrix ou de faisans. Un couple de bénévoles s'est d'ailleurs doté du matériel nécessaire à la récupération des œufs issus de nids détruits pour les mettre en incubation afin d'élever les jeunes dans le but de les relâcher en pleine nature. Après la partie aménagement, le programme AgriFaune possède un second volet sur la problématique dégâts de corvidés sur les semis de printemps comme le maïs et le tournesol. Afin de mesurer leur impact, la Fédération des chasseurs, en partenariat avec la Chambre d'agriculture et les membres du GIASC, a élaboré un protocole de suivi basé sur trois actions. La première action concerne l'estimation de la population en période de reproduction par un suivi au printemps des couples de pies, de corneilles et de corbeaux freux. À partir de 53 quadras, tous les nids ont été répertoriés, cartographiés, puis suivis jusqu'à l'élevage des jeunes. Pour le second point du protocole, les 100 exploitants des vallées de l'Authise et de l'Aigret ont reçu une feuille de dommage afin de déclarer les dégâts occasionnés par les corvidés au moment des semis. L'ensemble de ces données permettra d'estimer les surfaces détruites et le montant des dégâts occasionnés sur les semis de printemps. Thank you.
troisième partie de ce protocole est la récupération d'individus corbeaux, corneilles et pies prélevés lors de régulation au printemps afin de réaliser une analyse des tubes digestifs et de connaître leur régime alimentaire. Le programme AgriFaune comporte également un troisième volet, ô combien important, qu'est la communication. En effet, savoir faire c'est bien, mais faire savoir c'est encore mieux. La randonnée en chemin faisant a notamment permis de clore une année riche en travail collectif pour expliquer le projet auprès de la population locale. Tout au long de l'année, les actions de communication ont été nombreuses et diversifiées auprès de nombreux publics comme les chasseurs, les agriculteurs, les responsables de territoire, les élus, notamment sur l'entretien des bords de chemin. Expliquer sans cesse, informer en permanence, développer de nouvelles techniques sont nécessaires pour la bonne conduite du projet AgriFaune. Avec les premières moissons, et malgré les conditions climatiques pluvieuses de ce printemps, les premières couvées de faisans sont observées partout sur les vallées de Lotis et les Grès, fruit du travail important de quelques bénévoles appuyés par la Fédération des chasseurs.